www.radiomaria.com. Peboye imala muna emission oyo bozinga mingi mikolo oyo o ezali Vox Pop. Vox Pop mokola lelo to zana kati ya ministère ya commerce et cetera bisiko wapi te ko kutana na bande ko na biso ba syndicaliste ya ministère ya commerce extérieur oyo ezala ki ko kamba manande ko Jean Lucien Boussa wazali ministre ya commerce extérieur bande ko na biso ba syndicaliste ba yibi na ko dénoncer ba lobby ete bazali sous na cete na kati ya ministère bazozo sous ba prime o ba sana ko zwate pa accusé bandeko ebele bele bento suka ki wana te to linga ki pe ko kota na kati ya ministère ya commerce extérieur to yeba qu'est-ce qui se passe réellement to me ka pe ko solo la na bato yo bazala kati ba agent pe ba autorité ya ministère extérieur nenge nini makamozo de kapana bango kuna to moni mo contradiction ezam mo makasi balobi prime bazora les sous te bango ba na kati ya ministère ya commerce extérieur ba bina ko accusé bandeko na biso wana ba syndicaliste wana balobi ete bango wana baza déjà sanctionné suite ya ba abus ba comportement na bango o ba sala ki ya mabe voilà pourquoi ba ba ki na ko sanctionner bango alors na bango biso to za wana pona ko panza sango to za wana te pona ko juger ba tunde ka mikono na solo ba to aka na système ya ki dit vrai télévision za wana pona ko panza te télévision za pona ko diviser te télévision za pona ko diffamer ba kombo ba tote mais télévision za wana pona ko mema éclaircissement na makambo yo ba imboka eza na bango mwa kokoso to za ki sur terrain solola na bayimbo kanyoso wa mais boyo kololenge nini basili koloba na micro na biso ya canal futur télévision bongo to kutana na bino tout à l'heure vraiment toujours déplorer mes gestions oyo mama sale bongo et génie secrétaire général AI a kotisi na kati ya ministère ya commerce la situation toza ko déplorer ezza depuis 2015 ti lelo ngayo naza ko lobali bosona bino lokola tokanga ape monokote na sali makala 4 fois baninga na ngo bazali awa pe tokenda na bango toza ba batif ya aner toza ba batif ya ba convocation na nani na nani na cachet judiciaire partout ba convocation yaka bazo landela biso to samba ka ba appel toza menace de mort toza wana biso oyo tozo loba mama. Ça fait aujourd'hui 4 ans, nous sommes dans la rue. Maman, secrétaire générale, Naba Kolit Naye, va installer sous-commissariat de la police, na couloir, na bureau, pour nous, pour ne pas nous permettre de s'autocoter dans la carte, tout ça, la moussala. Ça fait aujourd'hui 4 ans. Même Mbongo Tozolo Bela, Primo Tozolo Bela, nous n'en sommes même pas bénéficiaires. Mais comme nous avons eu le mandat des agents, Tokoki ko tika ba agente que bazala martyrisé, Yango Tozolo Ba, pour que ba agent ba recouvrer ba droit na bango. Soki yo ozali na respect na autorité établie. Est-ce que l'autorité wana a continué à garder kaka ndenge wana po osalaka makambo yo lingi non a continué ko salate madame alinga na salate Jean Lucien alinga na sala tala ndenge tozali awa tozali batata ya bana 4 ans baboyi bosala en plus ministre ya moko toyebi ke soki bazo pesa suspension soki ministre a sali déjà et loko bazo benga mise en place msusiye elle est mise en place wana koya et boy suspension annulé suspension nyo swana ce qui ba pesi yo punition et sous kakawe pa na bisote bisote zali service préparateur toko prépara document to kamati document wana to tinde ango na fonction publique parce que il s'agit ya vie ya fonctionnaire et pas nabiso suspension et si la gâté à ta au caïboy suspension et zali kakatana statue bakoselio makambo et bakoselio makambo babendi makambo ango bapesi à l'oukouta et à l'oukouta wana ba clôturer le dossier après 3 mois mais si koto sali plus de 2 ans dossier yangoyo ba clôturer. On peut mettre quelqu'un dehors comme ça par plaisir de le mettre ou bien c'est conformément à
un mauvais comportement d'un agent. Tu es devant un détournement à ciel ouvert. Na bateau baza na bango na bazo mena ba mbongo hein. Ba 8 millions. Ya ba kangi bango dernièrement. Ba 8 millions na ba sac na mbongo. Ba mbongo ebele bazo tourner bango. Na bango ba konzi na ba baza na bango ba syndicat na ma. L'état congolais na nenge to ebele soki ba pesi prime clé de répartition zalaka. Yé alingi clé de répartition te. Madame Eugénie Salebongo. To ebi que l'état congolais azali ko pesa ba prime et pa ya ba jan pour que bamme kako vivre na yango étant donné que salaire bapé sakabiso ezamuke mais malheureusement na commerce extérieur ba prime ya kom et koma ya mama secrétaire général na batu oyo bazingie pour que soki ministre ayé ndenge to zolo ba awa to zo décrier comportement ya ex ministre d'état ministre ya commerce Jean-Lucien Boussa. Moi j'ai plus de 15 ans le ministère commerce extérieur. Mais bazo privé ngai prime, mais bazo pesa muntu ba lokoti na balabala aye po asa la mission moko boya ministre ou bien bazai ki kote lengana na ministre bazangi sika ko tie ba ko tie na commerce bazo imposer ba cha ba pesa un prime au dirman na biso. Mais Jean-Lucien Boussa tangwaye aye ko sale loko moko e sala maonte. Alors aye na maele mabeu sala ke tangwa sala ka Excellence qui était bi interpellation au parlement makamunyo so a reproché ka kitebi kuna ndia iko pratiquer ngona commerce c'est-à-dire a misale list note circulaire ya ye moko na note circulaire wana ye mutu moko aza ko gérer plus de 80% sur le 100% baza ko pesa biso après. Alors le kola mama secrétaire général wana alukaka se maintenir le kola commande de manière irrégulière alinga se maintenir par la volonté des ministres moya défendre l'administration exacte moya pas défendre ba gens exacte so le ministre azu ye pe azu ya ye et ba sali tout que non le kola prime wana za gérer na niveau ya commerce ya secrétariat ya commerce extérieur bino bozo angote. Heureusement que moi salaire oyo soki 100 000 oyo ezali na banque soki eya ka lokola ndenge ya kala na commerce extérieur mbele banyata ango tozwa kango lisusu te jusque là tozo zwa salaire na biso mais bango bazo privé biso prime c'est pour vous dire que non biso toza un problème na l'état oyo azali employeur na biso te puisque azo continue ko futa biso mais bango nde bazo sala nko rémunération ezali na différence monene na prime rémunération. Mais pour que tu perdes tant de temps, je demande à mon chef de division, mon chef de bureau, il y a personnel, à Pessabino, l'article où ils allaient copier Sabino droit, la prime, et puis où ils allaient copier Sabino droit, la rémunération, pour beaucoup comprendre la situation où on a facilement. C'est quoi, prime, c'est la rétribution à celui qui travaille. Yo, aux arrêts moment. Le droit na bango ya salaire. Le droit na bango ya ba salaire. Beaucoup qui peut descendre même na access bank. Et c'est que bazo fouta biso. Chef de division ya finance azali na ba listing nyonso ya chaque mois au ba fouta kabiso. Azali na droit ya azali na droit ko laxa bino parce que ba lobi ono ba droit na bango ba zo akate. Quand est-ce qu'on peut donner la prime à un agent et quand est-ce qu'on peut priver un agent de sa prime? Et quand est-ce qu'on donne la rémunération à un agent? Ex-ministre du commerce extérieur, M. Jean-Lucien Boussa, qui prévoyait qu'il y a un problème qui a été recruté dans le Mayouya. Il y a des gens qui réunion. Il y a des gens qui ont été. Mais à notre grande surprise, to yeko mona batu baye engulupa ya batu baye to ibi esika ba utite to sengi na bango ba arrêté ndenge président république a suspenda ki exécution ya ba ordonnance ba suspendre pe exécution ya ba arrêté portant régularisation parce qu'on ne sait pas régulariser le cas d'un agent qui n'a jamais été admis sous statut ba suspendre yango. Il a nommé même à relever batu musu comme chef de division batu a parti na ye ba comme chef de division ya personnel pone ke ba kokisa posa oya mission na yaki nango pone akotisa ba ex phase na yo ya zaki na ba na rebellion ba ya kokoma na kati na discussion ma CG est ce azali vraiment na pouvoir ya ko revoka bato azali na pouvoir ya ko engager bato e asinyata arrete te
de akorevoka batokoma. Aouti ko explique, il faut comprendre, et loko ya explique, bino se base na yango. So ki yo aja ozali na probleme awa na secrétariat général au commerce extérieur. Quel que soit délai ou de tambonayo ko kamata, il y a 3 mois par exemple. Mais so ki yo o saisir ma instance supérieure était. Bon, dites-moi, maman, si j'ai ako salani. Mais na arrivé à Jean-Lucien Boussa, même à Taba Koku qu'on reconnaître Bola Mouyamo, il y a Papa Wanate, mais c'est quelqu'un qui a fait un effort pour que le ministère du Commerce extérieur et comme à niveau Yango et comme il est là. Reconnaissance na Mokidi est très difficile. Ah oui, tu as un système y a qui dit vrai, il y a un éclaircissement. Na makambo eko simbate bo ki lolenge nini ba ndeko na biso ba syndicaliste ba uti koloba pe lolenge nini ba ko na biso ba agent ba uti koloba bo uti koloba les deux parties hein biso wana tozali juste au milieu de ba le bakaka na biso da toujours au milieu du village biso tozali wana te pona ko diviser mais tozali na kati poto yo ka ngam to ki ngambo biso ba imboka je crois bien que bo ba na ko analyser partie c'était pour n'importe quoi ça la mission la bango vraiment canal futur télévision de Torobaka car ils achènent à base ils achènent la population tout ça on a pour n'importe détruire par contre tout ça on a pour n'importe bongisa ici quoi que simbate biso tout ça on a pour n'importe bongisa pour ma camarade beaucoup la mission qui n'est malam tout le monde toujours gouvernement la biso la République démocratique du Congo tout ça n'est pas pour n'importe la bango les alliés gouvernement oh ils ont pour n'importe progrès les alliés gouvernement oh ils ont pour n'importe lutter contre les anti valeurs ici quoi ma camarade qui est ma tout est bien été dans le ministère on a biso ebele ma magui et les kaki ma mafia et les kaki ma corruption et les kaki yango to ligne na gouvernement oyoto bongisa bisiko moi ma beza la ki République démocratique du Congo est ala reconnu sur la scène mondiale que zali mboka oyo zali ko lutter contre sa corruption na ndenge moko ya mukiete. Merci beaucoup à Blaise Mbala qui était derrière la caméra, merci à Eritene qui est là pour nous assister dans cette caméraman de tout cœur. Merci beaucoup à Driss Makengo, merci beaucoup à Grand John, merci beaucoup à Prince Mouelela. Et retrouvez-moi prochainement, fidèles téléspectateurs, dans un nouveau numéro. Oh, bye.